Babel, ce sont 3 jours de rencontres avec 25 personnes. Au bout de ces 3 jours, ces 25 personnes vont être en mesure de faire un spectacle qui dure 1 heure et dans lequel on va élever une grande tour de 12 mètres de haut faite avec du bois et du cordage. Ce qu'on essaie d'instaurer d'abord, c'est la confiance et la complicité. Dans cette phase de construction, je vais vous présenter tous les objets, je vais vous montrer chaque étape, et puis ensuite, par deux, vous allez réaliser ces étapes, et ça va nous permettre de construire ce qu'on appelle des modules. Au long de ces 3 jours, il y aura différents temps, des temps d'atelier, des temps d'exercice, de jeu, des temps de construction. Je tente une fois blanc, comme ça, on se jette dedans, et puis tout en entier, et par, vous descendez. Elle commence à avancer avec le Spooknik, bien en haut, comme ça, elle se glisse, on pose. On est entre nous, on se regarde, et si on ne sait plus, on peut dire, bah, tu sais, mais c'est à toi, on est en équipe, quoi. On a inventé des jeux pour donner aux participants les clés pour communiquer entre eux, pour générer un groupe fort qui se fait confiance à lui-même, qui se sent capable, qui a les outils pour gérer en autonomie la mise en place d'une structure techniquement complexe, une structure monumentale, presque une dimension utopique, quelque chose qui nous dépasse tous. On arrive à manipuler cette tour et presque, on arrive à disparaître. L'ensemble fonctionne comme un seul corps et que ce corps de 25 têtes arrive à donner vie à cette structure centrale qui matérialise le lien qui existe entre ces personnes. Donc Babel, c'est la possibilité de faire exister une petite communauté le temps que dure ce projet.